manager bonjour je suis julien Godefroy auteur du livre prendre un poste de manager 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes aux éditions e roll ainsi que consultant et formateur en management pour progresser facilement dans votre management je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes vous trouverez le lien dans la description pensez aussi à vous abonner à ma chaîne youtube pour consulter mes dernières vidéos Le leadership participatif est un concept fondamental dans le monde de la gestion et des organisations. Il représente un style de leadership où les leaders collaborent activement avec les membres de leur équipe pour prendre des décisions, résoudre des problèmes et élaborer des stratégies. En d'autres termes, le leadership participatif repose sur l'idée que le succès d'une organisation dépend de l'engagement actif de ses collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique. Le leadership participatif favorise une culture d'ouverture, d'inclusivité et d'innovation. Les employés se sentent valorisés et écoutés, ce qui stimule leur motivation et leur engagement. En conséquence, les équipes sont plus créatives, performantes et résilientes. Les organisations qui adoptent ce style de leadership sont mieux préparées à faire face aux défis changeants du monde des affaires car elles sont capables de s'adapter rapidement et efficacement. Nous allons explorer en profondeur le leadership participatif en commençant par ses principes fondamentaux. Ensuite, nous examinerons ses avantages. Nous discuterons également des compétences essentielles que les leaders participatifs doivent posséder et des défis auxquels ils sont confrontés. Enfin, nous fournirons des conseils pratiques pour mettre en œuvre le leadership participatif avec succès en suivant un processus structuré. 1. Les fondamentaux du leadership participatif. Les principes de base du leadership participatif sont ancrés dans la collaboration et la prise de décision collective. Les leaders participatifs reconnaissent que chaque membre de leur équipe a des idées valables à apporter. C'est pourquoi ils encouragent activement la contribution de chacun. L'inclusivité, l'ouverture à la diversité des opinions et la transparence sont des piliers essentiels de ce style de leadership. Une différence fondamentale entre le leadership participatif et autoritaire réside dans l'approche de la prise de décision. Alors que le leadership autoritaire repose sur l'autorité du chef pour prendre des décisions unilatérales, le leadership participatif implique une démarche collaborative où les décisions sont prises en consultation avec l'équipe. Le leadership participatif renforce l'autonomie des membres de l'équipe, tandis que le leadership autoritaire peut être perçu comme plus directif. Cette distinction a un impact significatif sur la dynamique des équipes et sur la culture organisationnelle. Le leadership participatif favorise l'engagement, la créativité et la confiance, tandis que le leadership autoritaire peut entraîner la méfiance et le désengagement. Il est important de comprendre ses fondements pour mettre en place avec succès un leadership participatif dans une organisation. Deux les avantages du leadership participatif Le leadership participatif offre une multitude d'avantages aux organisations et à leurs équipes. Tout d'abord, il améliore considérablement la motivation et l'engagement des employés. Lorsque les membres du personnel sont impliqués dans le processus de prise de décision, ils se sentent valorisés, écoutés et investis dans la réussite de l'organisation. Cette motivation accrue se traduit par une productivité plus élevée, une rétention du personnel améliorée et une attitude positive au travail. Un autre avantage clé du leadership participatif est l'augmentation de la créativité et de l'innovation au sein de l'organisation. En encourageant la contribution d'idées diverses et en favorisant la prise de décision collective, les leaders participatifs créent un environnement propice à l'émergence de solutions novatrices aux problèmes. Les équipes deviennent plus habiles à résoudre les défis complexes et à anticiper les besoins changeants du marché. Le renforcement de la confiance et de la collaboration est également un bénéfice majeur du leadership participatif. Les relations entre les membres de l'équipe s'améliorent car ils apprennent à se faire confiance et à travailler ensemble de manière harmonieuse. La communication ouverte et l'inclusivité renforcent la cohésion au sein de l'organisation. 3. Les compétences du leadership participatif. Le leader participatif possède un ensemble de compétences essentielles qui lui permettent de diriger avec succès en encourageant la participation active des membres de l'équipe. Tout d'abord, une communication claire et régulière est une compétence clé. Le leader doit être capable de transmettre des informations de manière claire et concise tout en écoutant activement les idées et les préoccupations de son équipe. La capacité d'écoute est tout aussi cruciale. Un leader participatif doit être attentif et prêt à entendre les opinions de ses collaborateurs. Cela ne signifie pas seulement entendre, mais également comprendre et respecter les points de vue des autres. L'écoute active renforce la confiance et montre aux membres de l'équipe qu'ils sont valorisés. Ensuite, la prise de décision partagée est une compétence complexe pour le leader participatif. Il doit savoir comment recueillir et synthétiser les différentes idées, opinions et suggestions, puis travailler avec son équipe pour parvenir à un consensus ou une décision partagée. Cela nécessite de la patience, de la facilité à gérer les conflits et la capacité de guider le processus de manière constructive. Outre cela, savoir encourager la diversité des opinions est une compétence qui favorise la créativité et l'innovation au sein de l'équipe. Le leader participatif doit soutenir les membres de son équipe pour qu'ils puissent s'exprimer librement, même si leurs idées sont différentes de la sienne. Il doit créer un environnement où la diversité est célébrée et où chacun se sent en sécurité pour contribuer. 4. Les défis du leadership participatif. Le leadership participatif comporte des avantages considérables, mais il n'est pas sans ses défis. L'un des défis majeurs est lié au temps et à l'efficacité. Les processus décisionnels participatifs peuvent prendre plus de temps que les approches autoritaires car ils impliquent la collecte d'opinions, la discussion et la recherche de consensus. Les dirigeants doivent trouver un équilibre entre l'efficacité opérationnelle et la participation active pour éviter des retards excessifs. De plus, la résistance au changement est un autre obstacle courant. Les membres de l'équipe peuvent être réticents à s'adapter à une nouvelle approche de leadership, en particulier s'ils étaient habitués à un style plus directif. Les dirigeants doivent communiquer clairement les avantages du leadership participatif et travailler à surmonter les résistances par l'éducation et l'engagement. Ensuite, la gestion des conflits est un défi inévitable. Lorsque les opinions divergent au sein de l'équipe, les conflits peuvent survenir. Les leaders participatifs doivent être compétents dans la résolution de conflits en encourageant des discussions constructives et en aidant l'équipe à parvenir à des accords satisfaisants. Enfin, savoir équilibrer le cadre strict et la participation est un défi délicat. Les leaders participatifs doivent déterminer quand diriger activement et quand laisser la place à la participation de l'équipe. Trop de cadres peut décourager la participation, tandis qu'un excès de participation peut entraîner de l'inefficacité. Trouver cet équilibre est essentiel pour le succès du leadership participatif. Cinquièmement, mise en œuvre du leadership participatif. La mise en œuvre du leadership participatif requiert une approche méthodique. Tout d'abord, les dirigeants doivent comprendre les principes du leadership participatif et reconnaître son importance. Ils doivent être prêts à s'engager dans un changement de style de leadership. Ensuite, la formation et le développement des compétences sont des étapes cruciales. Les dirigeants ainsi que leurs équipes doivent acquérir les compétences nécessaires pour la communication, l'écoute active, la gestion des conflits et la prise de décision partagée. La formation peut inclure des ateliers, des séminaires et des sessions de coaching pour aider les leaders à renforcer leurs compétences. De plus, le leader participatif et son équipe devront être en mesure de construire et de décider d'une direction commune, la vision, de valeurs communes et des missions au quotidien. De cette manière, le cadre sera posé et chacun pourra agir en contribuant au projet commun. Les décisions collectives pourront, elles aussi, s'inscrire dans une dynamique commune. Enfin, savoir évaluer et ajuster est essentiel pour garantir le succès du leadership participatif. Les dirigeants doivent constamment évaluer leurs performances et solliciter des commentaires de leurs équipes. Ils doivent être ouverts à l'amélioration continue et apporter des ajustements en fonction des retours d'informations et des besoins de l'organisation.